Mamadou, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à toute la communauté RFI. Vous souhaitiez nous interpeller justement sur la transition qui a commencé hier. Oui, la transition a commencé hier, la transition a été mise en place de manière active. La transition est en train de balbutier dans la mesure où jusque-là on ne connaît pas exactement les objectifs. Malgré qu'on nous dise qu'il y a une charte de transition qui a été mise en place et qu'on ne voit, qui n'a pas été encore rendue publique. Donc moi je pense que la transition doit pouvoir maintenant prendre attache avec tous les acteurs politiques et sociaux de notre pays en vue d'envisager dans un premier temps et qui est une priorité la cessation de toutes les activités militaires, de toutes les hostilités. Oui. Enfin, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis 24 heures, la transition, elle est militaire. Oui, elle est militaire. Elle est bien sûr militaire, mais c'est en cela que si elle est militaire, on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Une transition militaire qui, au bout de 18 mois, voudrait mettre des institutions démocratiques civiles, ça n'est pas évident. Il faudrait commencer d'abord avec l'aide civile pour parvenir à une transition au bout de laquelle on va mettre des institutions fortes, démocratiques, transparentes, inclusives. Alors, Eric souhaite également réagir sur la création de ce conseil militaire transitoire de transition. Bonjour Eric. Oui, bonjour Juan Gomez. Bienvenue, nous vous écoutons. Oui, moi je crois que la transition, c'est déjà un autre coup d'état constitutionnel. Parce que là, normalement, c'est le président de l'Assemblée qui devait prendre les rênes. Et comme disaient certains médias, s'il refuse, on peut toujours choisir, il y a ce vice-président, ou bien choisir une personne ressource. Oui, enfin, il n'y avait pas... Diriger... Excusez-moi, Eric, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, il n'y avait pas de vice-président. Le poste existe effectivement sur le papier, mais il n'avait pas été désigné. Le vice-président de l'Assemblée nationale. Ah, le vice-président de l'Assemblée nationale. Je pensais que vous parliez du vice-président de la République. Non, pas le vice-président de la République. Si déjà que le président de l'Assemblée réfléchit, il a ses adjoints qui peuvent se proposer et faire. Mais nous, on dénonce parce qu'on pouvait prendre notre général, mettre à la tête de cette transition, mais pas quand même prendre le fils du président. On n'est pas dans une monarchie, ou bien c'est le cas, le père n'est pas là, l'enfant doit prendre. Ouais. Il y a plusieurs généraux qui sont là. Donc ce qui vous dérange, Eric, ce qui vous dérange le plus, c'est qu'il soit de la famille Déby. Directement son fils, parce que Succès Mazra avait 38 ans pour être candidat, on a refusé. Maintenant, on prend un gamin de 37 ans pour mettre à la tête de ce pays. Je crois que c'est comme l'auditeur venait de dire, on a remplacé Paul par Jean. On va du côté de Maro. On a reçu le coup de fil de Sago Prosper. C'est Sago Prosper, c'est ça? Bonjour. Bonjour Juan, c'est bien sûr Sago Prosper, j'appelle de Maro à 105 km de ça. Très bien, vous n'êtes pas loin de la frontière centrafricaine, côté tchadien évidemment. Vous diriez comme le précédent auditeur, peu importe la durée de la transition, 18 mois dans la vie d'un pays, finalement ce n'est pas très long. Effectivement, je crois que 18 mois, c'est très long. Il est important que cet intervalle reste autour de 3 mois. Je crois que ça permettrait déjà au Conseil militaire de transition de pouvoir déjà mettre en place des commissions qui permettraient normalement que le Tchad puisse prendre un autre élan. Ouais, mais le fait que les militaires prennent le pouvoir, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous diriez que finalement c'est un coup d'État déguisé, ce qui se déroule en ce moment au Tchad? Actuellement, Rouen, je crois que c'est un coup d'État militaire, parce que du moment où le Conseil est mis sur place et qu'il arrive déjà à dissoudre la Constitution, qu'il arrive à dissoudre également l'Assemblée nationale, dissoudre également le gouvernement, et ça sous-entend déjà qu'on est dans un coup d'État. Parce que je ne crois pas à la démocratie au Tchad actuellement avec ce système qu'on est en train de vivre, ce qui veut dire que c'est la suite de débits qui continue. Donc on s'inquiète vraiment.